De quoi tu parles? De quoi tu parles? Le décompte jusqu'au jour. J'étais pour dire que J, mais ça serait le jour N, Noël. Le jour N. Le jour N, novembre. Novembre ou Noël. Y a-tu un jour N? Même en anglais? Non. Tu sais, Monday, Tuesday, Wednesday, Friday. Ah, ça? Ouais, oh, ouais. Boy. Alors, bienvenue à une autre émission de Quoi tu parles de? C'est le spécial des fêtes qui continue. On vous l'a peut-être un peu teasé hier. On l'a annoncé. On avait les gars du Nord hier, mais Wilfred Laboutier qui fait partie des gars du Nord. Puis là, on pourrait dire c'est les gars du Nord de l'Ontario français. Oui. Les Ross Swamp. Mais aussi de l'Est. De l'Est. Pas du Sud. Il n'y a personne, du Sud. Non, eux autres, ils font vraiment la ligne à North Bay. Puis font, si tu viens au Sud de ça, tu peux pas faire partie de Barry, je veux rien savoir de toi. C'est impossible. Si tu vis sur une base militaire, je veux pas rien savoir. Est-ce que tu penses que les gens militaires aiment le Barry? Folklore? Sûrement. Probablement. Pourquoi pas? Tout le monde aime le folklore. Pas mal tout le Grosse monde. Grosse montée du folklore aussi dans les dernières années. Donc aujourd'hui à l'émission, là, les Rods Swamp, eux autres qui ont sorti un album de Noël, Pause Gorgée, volume 1, très haut de leur en parler, puis de vous en faire entendre des morceaux aussi tout au long de l'émission. Puis il a été enregistré en Floride. Ça, c'est ça. Quand tu m'as dit ça, je trouve ça hallucinant qu'ils ont fait ça dans une chambre d'hôtel en Floride et que ça sonne comme ça a été fait dans un studio à L.A., tu sais? Wow, c'est super bien. Et en fait, il était plus proche de L.A. que jamais. Oui, géographiquement. Géographiquement, c'est peut-être tort. Pour ça. Mais non, en fait, il était dans un Airbnb pour t'aider un peu. Mais un Airbnb puis une chambre d'hôtel, pour moi, ça a 4 murs et un lit, c'est la même affaire. Je suis d'accord, mais Airbnb, une maison, genre. Fait que tu peux trouver des spots. Moi, c'est juste parce que je suis en train de me dire que Airbnb, c'est un peu mieux qu'une chambre d'hôtel pour faire du studio. Oui, mais c'est pas un studio. C'est aucunement un studio. C'est même pas proche d'être un studio. C'est ça, t'as pas l'insonorisation sonore, non. T'as pas les 12 000 patentes à gosse puis compresseurs. Tout. Non, t'as raison. T'as juste Pat qui s'achète des nouveaux violons. Oui. Parce qu'il est casse. Il y a bien de la rage, Pat. Qui casse. Je pense que c'est la Floride qui a la rage. C'est l'humidité et les violons n'aiment pas Florida la chaleur. Florida Man. Florida Man. Bonne série sur Netflix, je vous le recommande. Mais aujourd'hui à l'émission, deux des membres fondateurs des Rod Swamp, quand c'était Caribou. Ils ont eu un passé où ils s'appelaient Caribou, puis ils ont réalisé que c'était le nom d'un band déjà. Oui. Fait qu'ils ont changé de nom. Les Rod Swamp, jadis, leur premier nom d'idée, c'était Caribou avec un K, si je me trompe pas. Je pense que oui. Puis ils ont fait juste un spectacle avec ce nom-là, ouais. Si je me souviens bien, au Festival de la Bine de Plantagenet. Wow. Mais ça se peut que mes sources sont pas 100%, mais je 95% certain. Tout, peu importe, c'est rendu les Rod Swamp. Oui. Yann Leduc va être avec nous, Martin Rochelot, deux des membres fondateurs du groupe. Aussi, quand c'est les Rod Swamp et le père Garneau, ça a été ça par la suite. Maintenant, juste les Rod Swamp, comme on les connaît si bien. Pause Gorgée, volume 1. Très hâte de leur parler de leur année 2023 qui a été très remplie. Des voyages à Disney, un album plein de succès. Tournée au Nouveau-Brunswick, tournée en Ontario, ben, tournée Kelowna, dans l'Ouest. Kelowna, ils ont été. Oui. Ils sont allés en Acadie. Oui. Puis ils ont été en Floride. Oui. Tu parles d'un triangle géographique. Il y en a un de là. C'en est un. Aujourd'hui, dans l'émission, de quoi tu parles de? Les Rod Swamp. De quoi tu parles? De quoi tu parles? Une grosse année pour nos rats. Ils sont allés jusqu'en Floride pour aller à Disney Epcot. Un premier album de Noël et aussi un nouveau milestone. Je ne sais pas s'ils sont au courant, mais on va leur faire part de ce milestone incroyable aujourd'hui à l'émission De quoi tu parles de les Rod Swamp, Martin Rochelot, Yann Leduc. Ça va bien les boys? Ça va bien vous autres? Est-ce que vous êtes inquiète pour le milestone qu'on parle ou vous êtes au courant? C'est une surprise. Ouais, une surprise, je pense. Vous avez... Depuis la 7 fin de semaine, ou il y a 2 fins de semaine environ, 1 million de streams sur Spotify, mais juste Vivre en ville. Sur une toune, vous avez frappé le 1 million de streams pour Vivre en ville. On vous apprend que vous allez avoir fait à peu près 17$. Dans le temps des fêtes, ça va aider. Ouais, ça va vraiment être le fun. Vous allez pouvoir vous acheter un nouveau cadran. 17$ à 5, c'est ça. Oui, c'est pas assez pour une bière chaque, mais c'est correct. Ouais. C'est quand même incroyable. Un million. Ouais, c'est fou, tu sais. Cette chanson-là, elle nous amène encore des petits bijoux aujourd'hui, même encore 5 ans plus tard. Puis des fois, c'est des petites surprises qu'à un moment donné, tu,
tu payes attention à ces choses-là, puis à un moment donné, tu... Pas que ça passe dans le beurre, mais tu y portes un petit peu moins d'attention parce que tu concentres ailleurs sur les shows, sur un album à venir. Puis là, whoop, tu sais, t'apprends ça que ah, cette chanson-là a atteint tant de streams. Ben, c'est le fun de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui l'écoutent et qui nous écoutent en général. Puis ben ça, on est tout le temps reconnaissant là, de ces gens qui aident à augmenter ces streams-là tout le temps. Puis toi, Yann, c'est une toune que tu as écrit, si je me trompe pas, là. Drôlement, oui, c'est une toune qu'on a comme un peu recyclé du début où ce qu'on était pas les Rotswamp, on était chacun de nos bords. Puis quand on s'est mis ensemble avec les Rotswamp, on a apporté certains textes, un peu tout le monde sur la table. Puis Vivre en ville, drôlement, c'était pas la toune qu'on croyait capable d'atteindre tout ça. Tu sais, de sur l'album Vivre en ville, on avait d'autres choix personnels qu'on croyait qui étaient pour fonctionner un peu plus. Puis quand l'équipe est arrivé, puis c'est eux autres qui ont choisi, ont dit non, ça c'est la toune qu'on va essayer de pousser le plus possible, tu sais. Fait que juste de savoir que c'était nous autres qui l'avaient écrite, de un, ça c'est le fun. Yeah. Quand tu sais, on dit souvent que j'apporte les textes, mais c'est tout le monde qui met la main à la pâte aussi quand on est ensemble avec les Rotswamp, que ce soit des petits bouts, des petites structures de phrases, whatever, tu sais. On met un peu toute la main à la pâte dedans. Puis Vivre en ville, ben c'est vraiment le fun que c'est une de nos tounes qui a su percer puis su mener le groupe au niveau où ce qu'on est rendu maintenant. Ouais, 1 million, c'est pas... Ça, c'est juste Spotify, là. Ouais, c'est pas Apple Music, c'est pas Apple YouTube. Tidal. C'est pas le vidéoclip. C'est... C'est pas Deezer. Ouais. C'est pas... Puis sinon, puis pas les spins radio aussi comptés là-dedans, là, fait que... Non, exact. Avec tout ça, c'est, je pense, de quoi être fier, là. Je me souviens encore de votre lancement, j'en parle souvent, là, dans le sous-sol du Convoi de la Liberté. c'est la meilleure place. C'est devenu ça après, je sais, c'est ça qui arrive. C'était pas ça au départ. Juste un pub dans une église. Oui. Anyways, mais je me souviens d'être là, puis faire comme, man, c'était plein. Puis là, de vous voir aller maintenant, c'était aller à Disney, ça a comme pas rapport. Tu m'aurais dit... Il y a 5 ans, un groupe franco-ontarien s'en va à Disney. J'aurais fait « Ah, ils font un voyage? » Oui, c'est ça. Ils se payent un voyage, tu sais. Ils ont fait bien la tournée, ils se récompensent. Non, ils s'en vont travailler pendant 1 mois à faire 5 shows par jour. Ils sont allés 2 fois cette année, là. Déjà, oui. Ouais. Comme. Parlez-nous de ça, à cause vous avez aussi, la deuxième fois, vous avez fait un album en même temps qu'être à Disney. Ben c'est ça, tu sais, avec les rats, des fois, on réalise qu'on travaille trop aussi. mais... Ça fait partie de notre éthique de travail, dans le sens que, tu sais, il faut comprendre qu'à Disney, une fois que tu es arrivé là-bas, mettons, le deuxième bloc, on était là pendant 6 semaines. C'est long, 6 semaines, ouais, quand même, là. Puis, tu sais, dans ces 6 semaines-là, on a quand même du temps libre. C'est sûr qu'on veut visiter, puis tout, mais à un moment donné, t'as quand même fait le tour de ce que tu veux faire, puis sans trop t'épuiser. Fait que là, nous, évidemment, on avait cette idée-là d'un EP des fêtes qui dormait quand même un peu depuis 2 ans, certains. Et puis là, ben, on a vu justement l'opportunité premièrement, amener du gear en Floride avec nous autres. Quoi qu'on a racheté un kit électronique là-bas parce que. Puis Pat, il a racheté un violon. Cher. C'était moi, Pat, qui a acheté un violon. Puis, ben, ça, en fait, ça, c'est la chaleur qui l'a forcé à retirer son autre violon. Ouais. Bref. Et puis là, on s'est dit, ben, entre les 5 spectacles qu'on faisait par jour, on avait quand même un minimum de 45 minutes d'attente entre ces sets-là. Mmh. Fait qu'on s'est dit, si on s'installe dans la loge, heureusement, on avait une loge que pour les rats, donc on était quand même isolés. Puis quand je parle de loge, c'est vraiment comme une cabine de qu'on retrouve sur le bord des chemins là, quand ils font de la construction. Okay. Où, Yann une, aurait le terme. Une belle loge. Un petit trailer, ouais, de construction, genre. Exactement. Ouais. Fait qu'on était installés là-dedans, puis on a fait nos maquettes, on a enregistré ça, après ça... T'sais, on a amené ça. Évidemment que on a fait que l'enregistrement, on a amené ça à ma sim chez les Jolies pour peaufiner, mixer, masterer le reste. Mais drôlement, quand les gens l'écoutent, on fait comme garde, ça a été enregistré vraiment à la bonne franquette, à vraiment petit budget. Le résultat est à grand budget. T'sais, comme la comparaison se fait super bien. Puis les gens, premièrement, ils savent pas, anyway. Puis pour nous autres, ben ça met un petit peu, ça met une belle histoire aussi dans ce EP là que et c'est drôle, un EP de Noël en Floride, c'est quand même quelque chose de drôle là-dedans. Oui. Mais je sais pas, Yann, si tu veux rajouter là-dessus.
Ben non, je pense que comme c'est un peu le, du point de vue professionnel de la patente, on voulait se lancer le défi de le faire nous autres mêmes. On est amplement capable, on l'a vu avec Vivre en Ville, puis Massim, votre studio aussi, au Boys, on est capable de bien de grandes choses. Puis c'est un peu le pas le budget, parce que on veut quand même suivre une qualité, une cadence dans tout ça, mais c'est un défi professionnel à l'intérieur du groupe de faire comme, OK, on va le faire nous autres mêmes, on va le faire pour que ça sonne comme le reste, mais qu'on peut aussi différencier le post-gorgé des albums officiels des Rotswomp. Il y a beaucoup qui demandent, volume 1, est-ce qu'il va avoir un volume 2? Dans le fond, nous autres, c'est un peu le concept qu'on a voulu faire. On a gardé la porte ouverte, puis on n'a pas dit album de Noël ou album du temps des fêtes. Alors, une post-gorgé, ça peut venir à n'importe quel temps de l'année quand on a besoin d'un dump d'idées créatives qu'on traîne depuis longtemps. Probablement que les post-gorgés vont rester faites à l'interne, juste pour qu'on continue de se donner ce défi-là, tu sais, puis de visiter différentes facettes de l'industrie, je te dirais. Ça vous laisse explorer, ben, si c'est pas juste les fêtes, c'est d'explorer les différents styles aussi, là, parce que, tu sais, faire des chansons de Noël, c'est pas faire une chanson des Rotswomp. Tu sais, c'est pas faire Vivre en Ville. Ça reste dans le même style, dans l'esthétique, mais... Parce que c'est le même band, tu sais. Tu sais, absolument, les Rotswomp, dans leur tune, ils parlent pas du petit papa Noël. Non. Tandis que là, ils peuvent se permettre. Fait. Ils pourraient se le permettre. Mais en fait, ils se permettent bien les affaires. Puis si tu as déjà vu un show des Rotswomp, ils peuvent jouer 3 heures de temps. Oui. Fait que tu comprends, ils ont du matériel à pu finir. Fait que pause gorgée, 22, impossible. Tu comprends? Comme... Oui, puis c'était sûrement, tu sais, quand est venu le temps d'enregistrer Elixir, qui était le deuxième album, ben là, je dis pas qu'on s'est battu, mais il y avait un choix à faire. Dans la sélection des chansons, parce que évidemment moi qui est derrière la création de ce projet-là, j'avais une idée de ce que je voulais que les rats deviennent ou soient, puis les chansons répondent, puis tout ça en fait partie, puis on les a en spectacle, puis tout ça. Fait, mais notre équipe, eux autres, voulaient vraiment qu'on se concentre sur la composition, puis un peu moins ce côté folklorique qu'on reconnaît plus dans le temps des fêtes. Fait que ça nous a vraiment permis de séparer, de mettre ça dans 2 cases, fait que nos chansons à répondre, nos reels de violon qui sont un peu plus temps des fêtes, puis garder après ça les Raffman, par exemple, qui est quand même une chanson à répondre, mais qui fit plus avec nos compos et tout ça. Puis tu sais, quand on parle de pause gorgée, mettons un volume 2, les rats, on joue beaucoup dans les écoles, on a des comptines pour enfants, fait que ça pourrait qu'une pause gorgée 2 devienne que des comptines pour enfants repris à la saveur des rats de swamp, tu sais. Ah, cool. Ça reste comme une pause gorgée avec le biberon puis tout ça. Fait qu'on est vraiment allé un peu plus loin que juste s'arrêter sur le choix, parce qu'on voulait vraiment avoir, comme Yann disait, quelque chose de créatif qui va nous permettre de, on a 5 nouvelles chansons ou des reprises du répertoire francophone en général, des reprises franco-ontariennes peut-être, on sait jamais, puis domper ça vraiment sur un support physique et numérique, mais séparé du projet qu'on travaille, là, mettons, aux 2 ans. Là. Moi, j'ai appris quelque chose sur toi, Martin, que je savais pas. À t'en regarder, j'aurais pas pensé ça. Pour les gens à la maison, il y a une grosse barbe, il y a des piercings, il y a l'air d'un rocker, OK? 100%. C'est mais, un rocker. Pas de menton. Mais c'est un tripeux sur des chansons à répondre, des chansons folkloriques, 2 saisons, ces affaires-là. Ouais. Puis ça, j'aurais dit, c'est Yann, tu sais? Ouais. À la regarder avec sa belle coupe de cheveux, sa couiffe, tu sais, si j'avais à dire entre les deux. Mais toi et Marc, pourquoi, qu'est-ce que ça vient de chercher chez vous, des chansons de même? Ben, moi, tu sais, depuis que je suis tout petit, mettons, moi j'ai des souvenirs encore, là, j'ai peut-être 4-5 ans, puis bon, ben, premièrement, mon père joue de la musique aussi, il joue de l'accordéon, fait que c'est sûr que la bottine souriante, c'est... Ton père, c'est présent. Jean-Marc Lalonde. Bref, ça pourrait. mais c'est pour ça qu'il fait des covers de 2 saisons. Dad m'a prendre tes hommage tours. À mon père. C'est ça. Volume 1. Fait que c'est ça. Fait que, puis tu sais, depuis que je suis tout petit, on a des parties de famille. Puis vraiment, chez nous, sur le côté de mon père, mes oncles sont tous musiciens. Ça chante. C'est rien de comme, c'est pas des musiciens professionnels, mais c'est pour le bonheur. Fait que moi, j'ai vraiment grandi là-dedans, les parties de famille avec. Même les mononcles éloignés, j'avais un grand-oncle qui était violonneux, qui est encore vivant aujourd'hui, qui a 92, 93 ans. Wow. Quand on se croise, il réussit encore à faire quelques notes. Là, pis c'est cool, ça. Assez impressionnant, c'est le fun. Fait que ce bagage-là, c'était comme... J'aimais le folklore, mais c'était plus que juste la musique. Je pense que c'est devenu comme une chaleur humaine,
que quand je pense au folklore ou au traditionnel, c'est la musique, mais ça va à la famille, ça va à la famille éloignée, à ces rencontres-là qu'on faisait. Et puis, drôlement, ce petit amour-là du folklore, ben moi, quand j'ai rencontré Yann, j'ai tout de suite ressenti que lui avait la même chose chez lui, dans sa famille, dans son entourage. Fait que je pense que c'est ce qui nous a un peu réunis au départ, parce que drôlement, moi et Yann, on n'est pas, tu sais, on se ressemble, mais on n'est pas vraiment pareil sur toute la ligne. Mais c'est vraiment ça qui a fait que, je pense, ça a mordu autant fort pour les deux, qu'on s'est dit, faut faire de quoi ensemble, puis que c'était les deux des morceaux que ça prenait, du moins, pour partir ce projet-là, que j'avais en tête quand même, là, vers la fin d'Acouphène, quand ça allait plus mollo, tu sais, tout le monde avait des occupations ailleurs, puis moi, j'avais cette idée-là, déjà, de vouloir partir les rats, puis ça a quand même pris 2 ans, là, avant que je rencontre Yann pour une première fois, puis qu'on se décide, oui, on fonce avec ça, puis on crée le premier 20 minutes de compte avec Joe Grandbois, puis tout ça. Il y a quand même eu 2 ans entre ça là, à attendre, mais en même temps, ça a placé toute la patente. Fait que des fois, être patient, ça vaut la peine aussi. Là. Puis justement, comme toi, tu as grandi à Timmins, Martin, toi, Yann, tu as grandi à Plantagenet, Alfred. Justement, le fait que vous venez de deux régions quand même éloignées, oui, en Ontario, mais quand même éloignées, puis que vous avez tant de choses en commun par rapport à la musique, par rapport à la famille et tout, le fait que vous amenez ça à un niveau familial dans vos spectacles aussi, c'est quoi l'importance de ça? J'ai l'impression qu'on est un peu dans un party de famille quand on va voir un de vos shows, puis il y a quelque chose de full chaleureux là-dedans, puis comment vous arrivez à faire ça à travers des grandes salles puis des grands groupes? Tu sais, vous avez ouvert pour Simple Plan cet été, vous jouez devant plein de monde tout le temps. Comment vous faites pour avoir cet élément rassembleur-là malgré les crowds qui continuent d'augmenter? Puis à Epcot aussi, là. Et à Epcot, exactement. Avec des personnes dans d'autres langues. Qui ne comprennent pas le français. Exact. Comment vous faites pour aller chercher ça, ce petit côté-là un peu familial? Ben, drôlement, tu sais, quand on s'est rencontrés, puis on a décidé de former les Rotswamp, nous, on l'a fait parce que ça nous représentait bien nos valeurs, puis on avait du plaisir à le faire. Puis, quand on a commencé officiellement, on s'est dit, ben, les rats, on a un mandat. Puis notre mandat, à nous, c'est de ramener ces valeurs traditionnelles-là et les chansons et les bons temps passés en famille dans nos nouvelles générations. Mmh. Fait que c'est la raison pour laquelle, sur un nouvel album des Rotswamp en 2022 ou 2021, on retrouve des chansons à répondre parce que ça fait partie de l'historique et du mandat qu'on s'est donné. Puis je pense que le fait d'être terre à terre avec les boys et en spectacle, c'est ça qui ramène l'esprit familial. Tu sais, le monde, souvent, après les spectacles, ils viennent nous voir pour nous dire, comme les gars, vous avez de l'air d'avoir du fun. Mais on n'a pas juste de l'air, on a du plaisir. Tu sais. Ça a beau être 100 fois le même spectacle, la crowd change, les interactions changent, puis ça fait que le spectacle est différent à toutes les fois. Puis pour nous, c'est ça, la petite magie. Fait qu'on a du plaisir, on partage nos traditions puis nos cultures avec le monde qui sont souvent réceptifs à ça parce que ça les envoie en arrière. Des fois, la nostalgie en joue gros. Puis je pense que c'est de pas perdre ça, tu sais, cette petite point d'ancrage-là qu'on a à l'interne du band. On a du plaisir. Des fois, on se trompe, puis ça fait partie de la game. Puis on joue un peu avec ça. Puis là, maintenant, on se connaît tellement bien qu'on s'envoie des petites jokes plates des fois sur le stage pour faire rire le monde, tu sais. Puis on se plante un à l'autre, mais ça fait partie du charme du projet. Puis je pense que c'est ça qu'il faut pas mettre de côté. C'est un peu ça, l'énergie des Rotswamp. Puis c'est beau que vous avez cette énergie-là, puis vous n'êtes pas du monde. Souvent, des bands, c'est comme ah, des amis d'enfance, des personnes qui sont allées au secondaire ensemble. Brandon Girouard, Capus Casing. Oui. Martin Rochelot, Timmins. Patrick Farrant, North Bay. North Bay, faut pas prononcer le H. Non. Yann, Alfred Plantage, puis le Simon Joly, Hawkesbury. Tu sais, c'est tout en Ontario, mais avoir été à ces places-là, c'est des places complètement différentes. Ça n'a pas rapport vraiment quand tu y penses. Ça n'a pas rapport, non. Mais que là, vous vous réunissez, que vous êtes capable de faire un projet. De un, vous entendre. De s'entendre comme band, c'est chose qui est pas facile. Vous êtes 5 personnes, 5 artistes, puis d'avoir être capable de faire, OK, on a une vision collective, puis on est capable de la mettre ensemble, puis tout le monde trippe là-dedans. Puis pas, tu sais, oh, ben Yann, ouais, moi, il a des chansons à répondre, là, Mark, je t'en ai maudit, là, on peut-tu faire d'autres choses? Puis là, Mark, il dit, toi, là, tes compos originales, là, je suis tanné que t'écrives des tunes. Arrête de m'achaler que tes rimes AB, là. Mais comment, ça fait quoi d'être avec ces boys-là, d'avoir cette énergie-là, d'être un band, en fait? Je pense que on s'est comme
une genre d'aventure qui se travaille aussi, dans le sens que, tu sais, mettons, moi, par le passé, évidemment, j'ai été dans la couffaine avec Marc-Antoine, Simon était là aussi. T'sais, on apprend à se connaître, puis, tu sais, je vais prendre moi puis Marc, par exemple, au début, quand on a commencé à couffaine, on s'entendait pas hyper super bien. On s'entendait bien, mais on clashait à plusieurs niveaux. Mmh. Puis, à un moment donné, on s'est mis les deux à tourner avec Céleste. Puis là, on s'est rendu compte que, on ne sait pas pourquoi, mais il y avait cette barrière-là qui était mise entre les deux. Puis qu'au final, on s'entendait super bien, puis on trippait sur plein d'affaires en même temps. On reste différents, mais à la base, on avait cette passion-là pour les arts en général, puis, et même plusieurs choses d'autres, la lutte, etc. Fait que, tu sais, on se retrouvait à tripper sur plein d'affaires, puis c'est un peu la même chose avec les rats, dans le sens qu'on a quand même, entre moi et Yann, 10 ans de différence. Donc, c'est sûr que les références. Les références sont pas les mêmes, sauf que la passion l'est. Puis justement, de dire, comme il y a des fois, il y a des choses que moi qui vais me taper ses nerfs par rapport à d'autres, et inversement, que moi, je vais taper ses nerfs aux autres par rapport à mes critères personnels, peu importe. Mais je pense que de surpasser ça, tu sais, on est des humains, tout le monde a des qualités, tout le monde a des défauts, ça fait partie de qui on est. Puis si on est capable de se parler, premièrement, c'est comme une relation de couple. Si on est capable de se parler, de se comprendre, de... Tu sais, puis les rats, drôlement, on n'est pas des gens qui vont s'envoyer chier, si je peux dire ça de même, mais si j'ai quelque chose de travers à Yann, je me gênerai pas d'y dire. Ça va peut-être le frustrer, l'offenser un petit peu, puis après, ben, on prend une petite bière, on embarque sur scène, on fait chaud, puis là, c'est comme s'il y avait rien arrivé, tu sais, puis... Moi, je donne un dropkick. je suis pas capable de sauter haut de même. Moi, c'est quand Yann met son petit masque de Rey Mysterio. Là je pourrais arrêter. Ouais, c'est là que tu sais que ça va se passer. Mais là, juste pour closer là, la réponse avant qu'on parte ailleurs, mais c'est juste ça. Je pense qu'on est une famille, puis plus qu'on tourne ensemble, plus qu'on découvre des petites facettes de tout le monde. Et puis des fois, c'est pas facile parce que oui, il y a les rats, il y a les cinq, mais il y a un technicien qui s'ajoute. Là, on a un roadie, un assistant technique qui s'ajoute. On a notre gérant qui est là des fois. On a notre équipe qui est à Montréal. Et encore là, c'est tout du monde qui vient pas de la même région, mais qui trippe pour le bien du projet. Puis je pense que c'est là que la magie se fait, que quand tout le monde veut le mieux pour le projet, il n'y en a pas de problème. Puis à un moment donné, on passe au vote, puis... Ce qui est en majorité, on va de l'avant avec ça. Puis souvent, drôlement, avec les rats, on est un petit peu mardeux et chanceux. On travaille fort, mais on a quand même de la chance de notre bord que tout fonctionne super bien sans trop de gribouille alentour de ça. Bien, vous avez une éthique de travail, vous l'avez dit tantôt, qui est quand même vraiment impressionnante. Oui. Ils s'entendent bien, j'espère, parce qu'ils font genre 250 shows par année, si pas plus, honnêtement. Quand on compte ceux qui font justement en Floride et tout, si on compte tout ça, ça n'a même pas de bon sens. C'est plus de shows que de jours que dans une année qu'ils font. Oui. Moi, j'ai une question pour vous autres. Les boys, vous avez fait un premier album qui a vécu un succès incroyable. Il y a toujours un peu le côté... Le deuxième album, c'est un des albums les plus difficiles à écrire pour un band, à écrire pour un artiste, pour peu importe, parce qu'il faut un certain suivi. Comment vous l'avez vécu, ça, justement, d'avoir à recréer, sans recréer, mais d'avoir... Vous vouliez, évidemment, le même succès avec un deuxième album, mais vous n'avez pas le même nombre de temps pour l'écrire. Vous avez changé d'équipe, vous avez bougé des pions. Comment est-ce que vous vous êtes outillé pour pouvoir faire ça? Puis comment que c'est devenu... parce qu'on le sait maintenant, vous avez eu un aussi beau succès avec le deuxième, mais ça n'arrive pas à tous les groupes. Comment vous avez vécu ça ensemble? Je vais essayer d'y aller, mais tu sais, faut juste préciser aussi qu'il y a eu la pandémie en plein là-dedans. Exactement. Ça nous a mis des bâtons, mais Yann, je te laisse t'envoler avec ta belle réponse. Yeah, ben c'est justement dans cette envergure-là que je m'en allais, tu sais, comme... C'est une bonne question, parce que côté du timing de la vie, si je peux me permettre, il y avait tout ça qui est arrivé pour mettre des bâtons dans nos roues. Justement, on a des membres de l'équipe qui habitent sur le côté du Québec maintenant. Il y en a d'autres qui sont en Ontario. Puis à un moment donné, dans la pandémie, quand les ponts étaient barrés, c'était comme, oublie ça, là, les boys, il va falloir qu'on soit créatifs d'une toute autre manière. Fait qu'on on a dit merci à Google d'avoir inventé le Drive. Et puis pour vrai, on est un peu chanceux. Mais dans le fond, c'est une chance qu'on a travaillé pour. On a chacun chez nous un beau petit studio maison qu'on est amplement capable de faire des maquettes pour travailler, pour continuer de faire avancer le projet. Drôlement, est-ce que ça nous a permis d'avoir un an de plus pour travailler sur notre projet?
Oui. Est-ce qu'on s'est remis en question trop souvent dans ce un an-là? Oui. Mais tu sais, au bout de la ligne, on a vraiment pris le temps de prendre un pas de recul, de calculer, de pas dormir pour calculer tout ça. On avait beaucoup de chansons. Puis tu sais, pour le deuxième album, on s'est dit, oui, il faut que on avait cette pression-là de matcher l'énergie du premier. Mais on avait aussi le mandat des chansons répondre à tout respecter. Puis, excusez, on s'est dit qu'en tant que band, on voulait absolument faire un full album, un vrai, tu sais. Parce que je pense que, là, je vais dévier un petit peu de la question. Aujourd'hui, en 2023, avoir un full band puis évoluer comme ça, c'est un choix dangereux. Pas dangereux au niveau de la du côté artistique, mais dangereux de la production. Tu sais, les salles de spectacle, ça coûte cher à déplacer un gros band tout le temps, tu sais. Puis nous autres, on a comme un peu assumé ces pénalités-là quand on a décidé de faire le deuxième album. On est allé rentrer en studio avec des vrais drums acoustiques. On a donné le paquet parce qu'on s'est dit c'est un peu un bucket list pour nous de développer un full album, pareil comme dans le temps, par rapport à nos valeurs qu'on veut représenter sur cet album-là. Fait qu'il y a eu beaucoup de réflexions dans cette pandémie-là, puis beaucoup de doutes dans l'écriture des textes. Tu sais, on veut dire, on veut-tu un autre vivre en ville ou est-ce qu'on veut évoluer le son et le projet ailleurs? Tu sais, mais tristement, ça n'en prend un autre vivre en ville, tu sais, si tu veux que le projet continue de rouler. Puis ça, ben c'est un processus quand même assez stressant. Ça met beaucoup de pression sur les textes, ces affaires-là. Puis là, tu te dis tout le temps, ah, c'est pas assez bon, mais à un moment donné, c'est quand tout le monde met la main à la pâte qu'on met vraiment l'esprit de groupe du projet, que là, ça représente nos valeurs, puis au bout de la ligne, c'est ça que les gens apprécient. Alors, j'ose croire que c'est ce qui a fait marcher le deuxième album. Puis il marche. Moi, il marche très bien. Moi, vous le dire, il marche, là. Oui. Très, très bien. J'ai entendu une citation récemment qui disait que chaque pièce ou tune qu'on aime le plus ont une chose en commun, elles sont sorties. Sont pas dans la tête de quelqu'un, sont pas sur un hard drive, sont pas sur une bobine. Ils ont été lancés. Sur une bobine. Hey man, moi je me rends 70s, pourquoi pas? Hey, hein? Y a des pères qui s'en vont checker dans leur Rubbermaid en ce moment. Là. J'ai entendu ça sur un podcast, faut short ma toune. Faut short ma bobine. Tu sais, je l'ai mis sur mon faut vieux. Faut short mon four-track. Mon vieux RVA, RC. Faut sortir le bêta. fait que c'est ça, ils sont tous sortis. Puis vous autres, je sais que vous êtes toujours à la création. Tout ça. Là, vous avez non seulement un nouvel album qui est sorti, mais vous avez des spectacles qui s'en viennent. Vous venez juste de faire un spectacle, justement, à Gatineau. Là, vous avez un spectacle le 31 décembre, si je me souviens bien, à Capespacing. Ouais. De pouvoir fêter, justement, le jour de l'an avec le band festif que vous êtes, c'est important pour vous? C'est super important. Ben, premièrement, ça a été une décision un peu, pas difficile, mais parce que chacun, nous, on fêtait déjà le 31 décembre ben oui, en famille, familles, chacun oui. Notre. Puis vous êtes du monde familial en plus, fait que. C'est ça. Puis, et drôlement, comme on l'a mentionné plutôt, des régions éloignées quand même de l'autre. Mais l'année passée, on a eu l'invitation d'aller fêter la veille du jour de l'an à Bourgette. Puis drôlement, là, on se disait, ça a donné que tout le monde était en région. On s'est dit, on l'essaye, on va voir ce que ça donne. Et on a eu un plaisir fou à faire ça. On s'attendait pas d'avoir autant de plaisir. Puis il y avait 250 personnes. Wow. C'était plein. Ils nous attendaient sur le dance floor avant qu'on en... C'était comme... Hey boy. Il était sûrement tout chaud, mais ça, c'est un détail. Détail. Mais bref. Fait que là, on s'est dit, OK, quoi si cette année, 2023, on s'en va faire la même chose, mais dans le nord ontarien. Fait que là, on se retrouve chez Brandon. Donc, lui, évidemment, sa famille est heureuse, mais pour ma part, Timmins, North Bay, c'est encore pas très loin. Ouais. Tu sais, même Patrick, peut-être que sa famille va faire la route. C'est sûr que le 31, des fois, il y a des tempêtes qui nous obligent à rester à la maison. Ouais. Mais bref, c'est une raison d'aller fêter avec nos familles du nord. Puis qui sait, peut-être qu'en 2024, on va se retrouver dans l'Est encore, puis en faire peut-être une tradition, vu que les rats, c'est un projet de tradition. Oui, Yann, vas-y. Puis, tu sais, on parle ça de tradition. Si on recule une couple d'années en arrière, on avait sorti ça de notre gré de faire un spectacle de Noël. Puis avant que l'aventure soit terminée de ce côté-là, on a toujours fait un show de Noël à la station 4 saisons.
Oui. À Bourgette. Puis on a fait ça plusieurs années consécutives. Puis la dernière année qu'on a fait ça avec la station 4 saisons, je pense qu'on a fait 6 représentations à cause qu'on avait annoncé un soir, puis là c'était sold out. On avait annoncé un deuxième soir, c'était sold out. Puis là, drôlement, il y a des compagnies qui ont ajouté leur party de Noël à tout ça. Mais la dernière année qu'on a fait ça, on a fait 6 représentations. Puis là, on a fait OK, mais ça, c'est une autoproduction qui pourrait faire partie de nos traditions des rats. Puis c'est comme la soirée des rats. Puis dans le fond, d'aller dans le Nord cette année, c'est notre choix. C'est nous qui avons fait le pitch à la gang dans le Nord. Puis ils ont accepté, bien évidemment, d'accueillir le band puis tout ça. Dans le fond, c'est pour donner la chance justement à toutes nos familles de vivre ce moment-là avec nous. T'sais, là, on l'a fait dans l'Est une couple d'années. Yeah. Là, c'était le temps des rats d'aller fêter avec les familles des gens dans le Nord. Puis ça nous fait autant plaisir. Vous faites beaucoup de tournées. J'ai eu la chance d'en faire avec Marc puis Sadès cette année. Capus Casing, il y a quelque chose de très spécifique. J'ai de la famille à Hearst, fait que j'arrêtais jamais à Cap, sauf au Walmart quand il y avait de McDo dedans. Je sais pas s'il est encore là, je me suis pas rendu loin de même. Mais dans Capus Casing, il y a un rond-point. Puis j'aimerais savoir si vous le trouvez utile ou non, ce rond-point-là. Parce que moi, ça me vexe à plus finir. C'est un débat super important. Moi, j'ai peur de me faire happer downtown Capus Casing. Puis quand je pense à des façons de mourir, je te dirais, c'est vraiment sur le bas de ma liste de choses que je veux faire. Ben moi, je te dirais, là, que moi puis Marc, on s'est rendu à Paris avec Yao il y a une couple d'années. Les ronds-points là-bas, c'est évidemment, sont plus gros que celui de Cap, mais c'est comme, t'arrives, vas-y. Il y a peur de pas passer par ça, puis passe entre les orignaux, puis... Non, c'est... Moi, drôlement, là, j'ai rien contre le rond-point. Souvent, là, évidemment, moins pire, mais quand j'étais plus jeune... J'arrivais tout le temps, j'étais comme, il est où ce rond-point-là? Parce que, il est comme caché, mais oui. Là, à force d'aller vers le centre des loisirs, tu peux passer par là souvent. Puis il y a le magasin de musique aussi. Oui. Il y avait du boss qui était tout près aussi. Fait que, puis ça m'a apporté à mieux le découvrir, mais c'est spécial. C'est les magasins alentour qui sont spéciaux. C'est pas le rond-point, c'est un rond-point. Oui, c'est le stationnement puis le fait qu'il y a plein d'affaires qu'il faut que tu stationnes. Puis il y a 6 rues qui arrivent au rond-point. Oui, il y a 6 rues. Puis le monde, on dirait, ça. Moi, tu sais, je viens pas de là quand on reculait. Là, le monde était comme, non, c'est à moi d'y aller. J'étais comme, man, à un moment donné, il faut qu'il y ait de la gentillesse ici. Mais il y en avait, là. C'est pas ça que je dis. Je fais juste dire qu'on a quand même vécu un choc. Ah, j'avoue que le stationnement comme au centre est un peu bizarre. Oui. Moi, j'aurais aimé ça qu'il soit comme complètement détaché puis il tourne sur lui-même. Oui, ça aussi. Un rond-point dans un rond-point. Ouais. Yes. Ça aurait été hot. Au prochain, on va le proposer à la prochaine réunion de ville. Au prochain urban planning de la ville de Capus Casing. Autre chose. Tu es un gars de Timmins, Mart. Yann, tu as été à Timmins souvent aussi. Il y a un restaurant que je parle souvent dans le podcast. Le Eastside Mario's. As-tu déjà été au Eastside Mario's à Timmins? Oui. Sur une échelle de 1 à 10, 10 étant le plus élevé, 1 étant le plus bas, comment triste que c'est? Parce que moi, je le mets à un 9 solide. ça dépend c'est quoi la tristesse que tu regardes, là, mais je pense que sa location est pas top, dans le sens qu'il se retrouve à côté d'un hôtel hébergement, là, hôtel miteux. c'est comme, il est très mal situé. Côté bouffe, il y a bien pire que ça. On a vécu pire que ça. Puis là, pour le service, ça fait un petit bout de temps que je suis pas allé, mais ça change tellement souvent que... Moi, t'appuyer sur un 7.5. Yann! Moi, de mon côté, j'ai jamais été, alors je trouve ça vraiment intéressant de jaser de ça avec vous autres. Ça, je sais pas si ça me donne le goût d'y aller, mais... Faut que tu le vives. Vous autres... Hein? Faut que tu le vives. Ben, OK, c'est un rendez-vous prochaine fois qu'on passe à Timmins. Moi, mon dernier passage à Timmins, j'aurais une petite anecdote, on a rentré au Subway, puis il venait de se faire défoncer, alors il y avait plein de plywood dans les fenêtres, puis la porte était arrachée. Puis, c'est ça, j'ai demandé gentiment à la madame qui a fait mon sub, j'ai fait « ça va bien? » Elle dit « oui, ça va mieux. » J'ai fait comme « ah, OK, tu sais. » Elle dit « ben, tu revois ma porte? » J'ai dit « oui. » Elle dit « j'avais une porte ce matin. » J'étais comme « ah, OK, oui. tu sais. » Quand même, il était ouvert. C'est impressionnant qu'il était ouvert. Toaster pain blanc. Ouais. les autres, parce que c'est pas service au volant, c'est service au voleur.
C'est ça qui arrive quand t'as pas de service au volant. Direct on va enlève les fenêtres, ils vont être pétés. On va se dire, c'est pas patati patata, ça. Non. Pour les gens qui vont peut-être aller vers Timmins ou quoi, il y a un petit restaurant qui s'appelle le Broadway, qui est plus familial. Puis je te dirais, avec les rats, quand on se promène sur la route, tu sais, des Eastside Mario's puis toutes ces chaînes-là, on les retrouve pas mal partout. Mais on essaie d'aller aussi encourager puis visiter ces petits restos locaux-là qui on peut, t'sais, on peut manger un bon hamburger steak maison. Puis Simon, il aime bien ça, les hamburger steak. Ah ouais? Moi, je pensais que Simon, t'as pour être difficile. Ah, il est difficile. À cause de Marc, mais la seule affaire qu'il mange, c'est des wings. En tournée, oui. C'est juste safe. Ça. Mais on va quelque part, il n'y a pas de wings, il veut rien savoir. Ouais, mais c'est lui, il est intolérant. Ouais. Ouais. Simon, il... Il est juste difficile. Simon. Mais non, mais on l'aime de même, mais c'est vrai, tu sais, puis à un moment donné, t'as beau aimer des wings puis tout, mais quand tu retombes, je sais pas moi, une soupe puis une bonne soupe maison, là, c'est le fun. Puis c'est un peu ce qu'on se donne comme défi d'aller découvrir, parce qu'à un moment donné, tu sais, Timmins, oui, moi, je viens de là, mais pour ceux qui vont juste quand on passe à tourner, à un moment donné, l'E-Side, tu veux pas y aller 60 fois non plus. T'sais. Non. Puis, il y a juste une mauvaise mémoire du E-Side. Ouais. Pratiquement traumatisant, parce qu'on a passé récemment, puis c'était pas si pire que ça, là, tu sais. Non. Mais ben, ça, moi aussi. C'est ça. Tu m'en fais battre dans Ruelle après. C'est probablement ça qui s'est passé. Il y a un autre traumatisme, mais il nous en parle pas, puis il l'associe avec E-Side. Il y a une jambe de bois, on Ben, une grosse année 2023 pour les Rot Swamp. Joyeuse fête, bonne année. Puis l'année 2024, il y a bien des choses qui s'en viennent, j'imagine, avec les rats. Ça l'arrête jamais. Non. Fait que des belles choses pour vous, les boys. C'est grandement mérité. Puis c'est le fun de voir de nos gars de notre province, là, en Ontario, de faire ça, de vraiment avoir créé un chemin, d'avoir créé aussi la montée du country folk trad, en grande partie, c'est à cause de vous autres. Là. Absolument. Fait que de quoi être très fier là-dedans, les boys. On vous souhaite un bon joyeux temps des fêtes aussi, avec vos familles proches et éloignées. Que, hein? Merci bien. Puis en retour, moi j'aimerais, tu sais, on a parlé là, d'un beau succès avec les rats, puis on travaille fort pour ça. Moi, je veux juste vous souligner votre travail à vous deux aussi, ou à vous qui, autour du projet de quoi tu parles d'eux. J'ai eu la chance, on a fait de la route dernièrement, j'ai eu la chance d'en écouter quand même plusieurs. Je trouve que c'est vraiment intéressant, puis ça a été un beau projet qui a été lancé, que je sais qui bouillait sûrement dedans depuis quelques temps aussi. Tu sais, c'est le même procédé que les rats ont vécu au départ, donc je vous souhaite plein de succès. Puis, si jamais vous devez remplir du temps, puis nous, on est là. C'est parfait, ça. Yes. Ça se peut que ça arrive dans la nouvelle année, des affaires de même, tu sais. Fait que, absolument. Hey, merci beaucoup, les boys. Joyeuse fête. Merci à vous autres. Joyeuse fête à tout le monde. Mais de quoi tu parles? De quoi tu parles? Capers Casing, vous avez peut-être plus votre ours, mais vous avez un rendez-vous 31 décembre. Faites le réveillon avec les Rot Swamp. Célébrer la nouvelle année, son arrivée. Un petit bisou. Peut-être que Martin sera willing. On le sait pas. Tu y tâteras la barbe. En plus, je confirme que Capers Casing a encore leur rond-point aussi. Oui, ben oui. On était là il y a comme un mois. Je pense pas qu'ils l'ont enlevé. Non. Puis je pense pas qu'ils vont le faire suite à ce podcast. Non plus. Ils ont environ comme une semaine et une couple de jours pour refaire un urban planning. Très difficile, je te dirais. Quelque chose qu'ils n'ont pas besoin de faire, tu sais. C'est juste nous autres qui aiment les taquiner avec leur rond-point. Moi, je l'aime, dans le fond. Vraiment, quand on y repense. Moi, quand c'est j'y incroyable. Repense, des années 80. Ça a dû être 70. Imagine les années 70. Quand le sac de chips, il coûtait 10 cents. Puis que le monde marchait dans la neige. Le sac de chips coûtait 10 cents, ouais. Puis le monde marchait dans la neige. Ben, il y avait tout le temps de l'école. Je te dirais que l'école existe encore, puis la neige aussi. Oui, mais tu comprends surtout ce que je veux dire. Surtout à Capers Casing. Come on. Je pense que c'était la neige en juin que tu voulais dire. Il y a dire. Du monde qui écoute en ce moment qui ont adoré les référents que j'ai faits, puis ils ont dit oui, mes grands-parents m'ont déjà conté ces histoires-là. C'est juste que toi, tes grands-parents, clairement, t'ont pas conté les mêmes histoires. Non, moi, mes grands-parents avaient un auto. Fait que, des bons choix. Des années 70, impossible. Non, on se promenait en calèche. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Une façon de finir l'année et célébrer la nouvelle année, 31 décembre, Capers Casing. Puis chanceux, Brandon Giroir, sa famille va être là. Oui. C'est le fun de jouer dans la ville. Oui, c'est le fun. C'est stressant aussi, par contre. On va parler plus tard, dans notre dernier show de l'année. On va pas dire c'est qui. Non. Mais elle aussi, elle a joué dans sa ville. Oui. On laisse ça comme ça. Comme ça. Mais demain, on parle à d'autres personnes qui sauront vous divertir le 31 décembre si
vous n'êtes pas à Capus Casing, mais partout dans le reste du Canada. Ils seront sur vos TV. Oui. On n'en dit pas plus. À vous de découvrir ce groupe à laquelle on parle demain. Ça rime avec TN. Et ça commence avec impro. À demain!